plantes ou zombies tués? Je suis dans les plantes. Ok, changement d'équipe, c'est bon. Dans les plantes. Ah, parce que si je prends pas la même équipe que toi, c'est mort. Donc c'est bon, parfait. Ah, t'es là? C'est bon. Voilà. Recoucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec qui? Je suis avec le petit rigolo de Monsieur Coty. Salut, ça va? Salut. Je suis désolé, j'ai un peu fait l'intro. Parce que je voulais dire, attends deux secondes, que j'étais en train de me pincer le pied. Mais c'est pas grave, salut. Tu te pinces les pieds comme ça? Non, mais là, c'est pas le but de se pincer les pieds. Oui, je vais bien, regarde, mon cactus, il va très très bien. Ah oui. Non, je taquine. Bouge pas, je vais juste mettre les gens en muet parce que. Merde, je suis en train de me faire. Derrière toi, derrière nous. Ouais, le petit fantassin, merci pour l'info. Je vais essayer de l'avoir, mais t'inquiète pas que maintenant mon cactus il est dynamique. Ah, mais c'est toi qui l'as tué. Ok, je l'ai tué alors que je faisais pause, c'est pas grave. Attends, je vais juste mettre les gens en muet parce que. En fait, ils parlent, je les entends pas, mais j'ai. Ouais, c'est pas agréable, on va dire. Moi, en tout cas, j'ai un paramètre spécifique en fait par rapport à ça. C'est que les gens, donc, automatiquement, dès que je vais dans n'importe quelle session où tu voudras me parler, si tu ne m'as pas dans ta liste d'amis, tu ne peux pas me parler en fait. Oh, t'es comme ça toi. Bah, oh, je l'ai tué. Je suis pas comme ça, c'est qu'en général, on va dire, je préfère éviter de mettre tout le monde muet. Non, non, mais je comprends, t'inquiète. Je te taquine. Je sais. Petit coup. Par contre, je tiens à préciser, nous sommes dans un mode jardin et cimetière, avec des personnages, ma foi, fort colorés. Je suis avec le Pisto Bay. Je l'avais gagné durant notre première vidéo où on avait joué ensemble, moi et Body, il n'y a pas si longtemps. Il m'a dit, vas-y, teste-le, il est plutôt pas mal. Donc, ouais, là, vous allez voir qu'il est cool, hein. Il est vraiment sympa. Et c'est histoire pour vous aussi de vous proposer des personnages un petit peu différents. Je trouve ça pas mal. Et je me suis fait éclater! Au secours! Au secours, tu t'es fait éclater? Ah ouais, petit malin. Vous allez voir qu'en fait, son personnage, il est vraiment bien parce qu'il était aussi offert pour tout le monde, donc tout le monde l'a par défaut, et avec le cactus vitaminé. Donc après, les autres personnages qu'il va rencontrer, bien sûr, ceux-là, faut les débloquer avec les niveaux. Donc soit tout simplement, il va jouer et il va débloquer des points pour pouvoir s'acheter des packs de cartes de personnages, ou tout simplement, dès qu'il obtiendra le gradis, il aura un personnage bien spécifique à son niveau, en fait. C'est plutôt cool. Oui, non, mais ça... En fait, c'est un jeu où il y a beaucoup de possibilités, quand même. Hein. Donc, c'est pas un jeu qui a été bâclé très rapidement, histoire de sortir le jeu. Ils ont vraiment... Pour moi, pour ma part, c'est une énorme surprise, ce jeu-là. Donc, après, pour certains, ça va paraître bizarre, mais... Après, je sais pas si tu l'as eu dès la sortie, le jeu. Ouais, direct. Hein. Alors, celui-là, je l'ai tout de suite sauté parce dessus. Que, au début, il n'y avait pas beaucoup de cartes. Enfin, il y avait 4 maps différentes. C'était pauvre. Mais ils avaient prévenu, ils avaient dit... tous les DLC seront gratuits. Laissez-nous un petit peu le temps de peaufiner tout ça et tout. Et maintenant, on se retrouve avec plein de maps différentes, plein de jeux, enfin plein de modes de jeu et tout. Plein de personnages aussi, parce qu'il faut leur dire qu'il y a au moins plus de 40 personnages, hein, donc ce qui n'est pas rien. Non, 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 et surtout qu'ils sont différents et tout. Voilà. Non, franchement, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ils sont pas foutus de la gueule du monde et c'est jouissif. Même si vous avez jamais joué au jeu, je suis sûr que vous le lancez et vous devenez super fort, quoi. Enfin, vous prenez plaisir de jeu immédiat. Arrête cochon. Ah, par contre, il n'y a pas de cochon aussi, j'ai oublié de vous dire, donc c'est la seule chose qu'ils ont pas mis pour Coty. Voilà. Ça évitera qu'il fasse des cochonneries avec. Ça évitera qu'il commence à s'amuser un petit peu trop avec le cochonnet. Donc en fait, on lui a pas mis ça. Donc c'est plus des plantes que vous allez retrouver, un petit peu des cactus, des conneries comme salut. Ça. Allez, salut, qu'est-ce que t'as fait? T'es mort? Non, je me suis fait tuer, ouais. Oh, non. En fait, je voulais réanimer un pote et au final. Ah, tu voulais réanimer un pote, t'as des copains maintenant toi sur le jeu. Bien sûr. Ah, t'es comme ça, t'as des copains, tu m'as pas dit ça avant de commencer la partie. Hein. Je suis sociable. Oui, t'es pas comme Body quoi. J'aime bien. Ouais, je suis quelqu'un de très ouvert. Ah, très ouvert, ouais, ça je sais, t'inquiète pas. J'ai pu voir un petit peu des choses assez sympas. Bref. Non, mais moi je dirais rien pour une fois, c'est pas moi qui parle de trucs de cul. Hein. Ah non, c'est pas moi qui parle des trucs de fesses, t'es fou. Oh, putain, mais il l'a bouffé direct lui. Mais tu vois, regarde, les trucs de fesses, tu parles avec bouffe. Ah oui, non, mais la bouffe c'est sacré. Ouais, bah, oh là, ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. Oh, tu vas prendre cher. Voilà. Ah, ça y est, je te vois, toi t'es là-bas, toi t'es trop marrant, comment tu t'exposes. Ah, c'est trop mignon. Ah oui, non, mais moi j'ai. Ma stratégie c'est j'y vais, je défonce tout. Et tu cours. Et on se fait plaisir. Et un truc aussi qu'il faut dire aux personnes, c'est regarder comment ça court de tous les côtés. C'est pas. Ça campe quasiment pas, ça peut arriver des temporisateurs. Ah, dans ce mode de jeu, de toute façon, camper c'est perdre. Enfin... C'est ça en fait. C'est après, c'est sûr que si tu campes, tu peux faire des bonnes stats, des bons ratios. Mais moi je joue pas à ce zombie. Ouais, exact, ouais. Mais il y en a qui jouent pour le ratio, hein, qui vont rester genre en haut d'une tour et qui vont rester là toute la partie. Ah putain, j'ai fait une série de 20, ah, c'est bien. Mais ils vont prendre la position. J'en ai abattu en plus un qui est campé là-haut. Ah, non mais ça c'est pas grave s'ils prennent encore. Moi j'aime bien des fois dès qu'ils prennent les positions, comme ça la partie dure un peu plus longtemps.
Et c'est vraiment sympa. Bon, on va prendre. Je préfère prendre que être au prix. Ouais. Toi, tu joues avec les mots maintenant. Quel salaud celui-là. Qu'est-ce qui va nous sortir comme bêtise celui-là encore? Salut tout le monde, Pet Body. Tu vas bien? Ouais, je vais très bien. C'est un astronaute. Ah, je me suis fait coincer à cause de ta connerie pendant que j'étais en train de te regarder. Mais c'est pas bien. Ouais, c'est vrai, il y a un astronaute dans l'équipe en face, merde. Un astronaute, ouais, c'est toi. Attends, t'as envoyé sur non, la lune. Non, moi je suis une plante. Je te jure. Non, mais regarde, il est là. Non, toi, t'es Babe Black Ocean. Hey, je te jure qu'il y avait un astronaute. Il est en face de moi là. Arrête de mentir, y a pas d'astronaute. Y'en a pas. Yuri Gagarin n'est pas là. C'est pas mais un jeu soviétique quand même. Il m'a écrasé en plus. Hey, je te jure, j'espère que tu vas te faire tuer par l'astronaute. Non, y a pas d'astronaute. T'as un peu trop bu là. Hey, je suis derrière toi. Non, c'est pas vrai. Si. Non, tu c'est pas même. Vrai. Non, je te vois pas arriver. Sinon, tu me verrais en train de te faire des choses comme ça. Coucou. Comment ça, non. Regarde. Attention derrière toi, attention. Attends, il est derrière. Regarde. Tu vois, même si c'était vrai, hein, il sera en train de se faire tirer dessus. Écoute, regarde. T'es où? T'es là, regarde. Où ça? Regarde mon petit cochon. Où ça? Je te vois pas. C'est derrière toi. Regarde, c'est pour toi ça. Viens mon petit cochon. Regarde. T'as une grosse bouche, hein. Ouais, mais t'as vu le cul que j'ai aussi, regarde, il est pas mal. N'importe quoi. Attends, mais il y a un. Ah, ok, c'est un tournesol qui est en train de me. Ah, on reste tous là, on reste groupés. Eh, mais c'est quoi ce bouclier que tu viens de sortir là? Ah, c'est. Je viens de tuer une grosse crotte. Et ah, toi, putain, pourquoi tu prends le parasol avec toi? T'es fou quoi? Tu t'emménages où toi comme ça? Non, mais c'est même plus une crotte ça ce que tu viens de sortir. Eh ouais, je t'ai dit, elle est big. Attends, là, il y a un téléporteur par contre, attention. Donc, ils apparaissent ici en fait, sur le côté gauche. Où ça? Juste en face, à gauche. Il y a un téléporteur. Okay. Ah, oui, c'est ici, ouais. Ouais, c'est là, c'est là où j'étais venu. Ouais, donc tu tires dans le tas, n'hésite pas à leur envoyer ton petit haricot magique. Ouais. Donc le mot magique, c'est haricot magique. Voilà. Le mot magique, c'est haricot magique. Ou haricot. Voilà. Attends, haricot c'est magique. Une bonne idée. Sinon, le mec qui m'a haricot, il a perdu. Aïe! Non, je taquine. Tu vois maintenant comment je t'ai démoncé? Je suis un salaud quand même. Non, mais c'est que j'ai pas pensé. Enfin là, je suis tellement concentré pour être franc. Je vois ça, hein. Te perturbe, ah, ça y est, comment il court, mais toi, tu t'es jeté du toit pour courir, regarde, il a même balancé son tout petit truc, là. Oh, tu m'as fait une assistance, c'est pas bien. Mais j'ai plus personne, hein. Hey, bonjour, c'est moi. Je vais me faire avoir par le mec, là, qui va m'assommer. Il va te victimiser. Il va te victimiser comme un salaud avec son conteneur, là. Juste, faut que tu fasses attention à un seul mec, c'est les scientifiques. En fait, il y en a un, il s'appelle comment s'appelle avec le dauphin là. Le biologiste marin, il est très 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 efficace, un peu trop même. Bon, après, il y a quand même à en avoir certains qui sont un petit peu plus, on va dire, cheatés. Ouais, bah c'est celui-là en question. Et dès qu'il va tirer à bout portant avec deux balles, t'es mort. Tu vas faire waouh. Ah, mais ça après. Mais pour l'instant, on se débrouille plutôt bien, je trouve. Hein. On garde bien la zone quoi. Mais ouais, je pense qu'ils vont pas gagner là. Quand ça, on en fait deux en une vidéo. Enfin, on fait une attaque et une défense. On fait une défense. Après. J'aimerais bien faire une attaque. Ouais, c'est ça possible, je pense. Allez, il reste 1 minute 30. Franchement, si on réussit à maintenir la position. Franchement. Je voulais te secourir, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Hey, mais qu'est-ce que je joue comme une casserole aujourd'hui? C'est pas vrai. C'est pas. Mais si, c'est grave, je suis triste. Je suis trop triste. Salut, on y va. C'est bon, hein. Où est-ce que tu t'es caché, toi? Non, je suis derrière toi. Non, je te vois pas. Non, mais j'étais. Ah ouais, j'étais. Ouais, merci, c'est ce que je pensais. Ouais, je me suis dit, mais attends, il est passé où le petit rigolo? Donc, le téléporteur, attention, il y a des mecs là-bas. Ça prend aussi à droite. Oh non, j'ai pas de bol. Merde. C'est bon, j'en ai tué un. C'est bon, je te vois, attention à toi. Ah, est-ce que ils ont mis des coups de tête? Tu vois, je t'avais dit qu'il allait t'assommer. Ah putain, ils sont en train de prendre la position. Moi je leur laisse, comme ça ils l'apprennent et on va autre part. Non. Moi je m'en fous, non. Je tue personne sur la zone, je te dis tout de suite. Si tu, s'il te plaît. Moi je les tue pas. Comme ça il la capture vite la zone et on passe de l'autre côté. Tiens, ils sont 5-6, c'est encore mieux. C'est ce que je préfère perso. Regarde le salaud, regarde comment il les chasse. C'est bon, ils ont la zone. Mais non, t'es nul. Comme ça la partie va durer plus longtemps. Mais non, mais si on peut gagner. Parce qu'on va gagner le même nombre de. Enfin, on gagnera le même nombre de points et ce sera plus. Non, tu gagnes plus. Tu t'es fou ou quoi? Tu gagnes plus. À chaque objectif, en fait, tu gagnes beaucoup plus. Oui, mais là, c'est les objectifs, ils gagnent eux.
Ah non, toi aussi tu gagnes. Toi aussi tu gagnes en fait pour la perte de ton objectif. Tu gagnes aussi, hein, t'inquiète pas. Si, si, tu gagnes aussi un petit peu. Donc en fait, si tu fais une partie vraiment complète, tu peux te faire 10 000 ou 11 000 points. Oui, mais imagine à la fin on perd complètement, donc au bout ce sera fait niquer. Ouais, au bout on aura un petit peu mal aux fesses, mais c'est pas grave. Voilà. C'est bien ce que je dis. Et moi j'ai besoin de pièces, que j'ai pas de personnage. Hein. Mais je suis pauvre. Non, ouais, t'es très pauvre, c'est pour ça. En plus, il a dit faut pas qu'on joue à ce mode. Faut pas qu'on joue à ce mode. Si on perd, c'est de ta faute. Hein. Oui, si tu veux, si tu veux. Oui, mais c'est oui. Oh putain. Ah ça y est, t'as perdu. Voilà, je t'ai regardé en haut. En plus, tu regarderas la vidéo, je t'ai regardé en haut et t'es mort. J'en peux plus de ces conneries. Pokémon. Alors, je voulais réanimer un cactus, je suis mort aussi. À cause d'un petit malin qui campait. En fait, j'aime pas dire le mot campé, j'appelle ça les grands temporisateurs. Oh non, mais temporiseur, je déteste ce mot. Bah tiens, un vrai touriste. En fait, ça me rappelle ceux qui jouent à Call of Duty et quand ils campent, ils disent non, je temporise. Non. tu peux... Bah si tu campes, tu fais ce que tu veux, t'as pas à justifier. Ouais, mais il y en a en fait, c'est... ce qui me fait rigoler sur Call of ou sur des jeux FPS en ce moment, c'est tout le temps, il y a des personnes de mauvais soi. Bon, je dis pas que ça arrive tout le temps, mais généralement, les mecs, ils vont pas dire « Ah, je me suis mis en pause histoire de pour faire progresser un peu mon ratio. » Non, ils vont pas te le dire, ça. Ils vont dire « Mais attends, t'es fou ?» Moi, ça arrive pas, toi, attends. Moi, à toi en plus. Non, c'est pas vrai. Mon gros cul ? Oui. Merde, t'es où ? Ah, regarde comment il s'est sauvé. Ah, ça y est, t'as fait péter ton haricot, t'es content, hein. Bah moi j'aide les gens, je défends ma zone, je suis un mec polyvalent, voilà. Ouais, je suis polyvalent aussi. Polyvalent, ouais. T'es polyvalent, ouais. T'es mal polyvalent, ouais. Attention, putain de merde. Attention, il y a un fantassin qui vient d'arriver. En plus, tu te mets en tourelle comme si de rien n'était, toi. Le mec s'installe avec sa mitraillette et son casque, et tu pars à la guerre ou quoi? Oh, punaise. Attention, ils arrivent vraiment de tous les côtés, ils ont vraiment déployé les plantes les plus lourdes. Je suis en train de me battre avec un cercueil. Ouais, comme ça. Je vois ça, ouais. Ah, t'as pas mais vas-y. En plus, il m'a bouffé, vas-y. Ah oh, ouais, là, vilain. Il t'a dégusté. C'est pas grave. Il avait faim. Attends, je vais changer de personnage vite fait un petit peu. Tu vas prendre lequel le cactus vitaminé, là? Oh bah tiens, ouais. Hop. Parce que c'est lui, là. Juste pour changer un petit peu... Ouais, pour montrer aux personnes que, comment il est, en fait. Mais cactus vitaminé, il est un peu différent, il est moyen. Faut vraiment aimer ce personnage-là. Donc après, on va pas vous mentir, c'est que chaque personnage est bien spécifique, comme j'ai expliqué depuis le début. Donc il y a des personnages qui vont être très très faciles à manier et que d'autres, ça va être vraiment une vraie galère, en fait. Bah après, faut t'adapter au truc. C'est pas plus mal. Moi, je trouve ça pas plus mal de... Moi, je trouve que c'est bien d'avoir mis autant de personnages, ça fait une bonne combinaison. Donc après, faire vraiment des choses vraiment cool, il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de combinaisons. Ah là là, il va me tuer, lui. Le pire, ce qui est chiant, c'est dès que tu te fais attraper par les petits zombies, là. Attends, que je suis en train de me faire un téléporteur que j'ai pas pu me faire. Ah, tu te fais un téléporteur, toi? Oh, le cochon. Ah oui. Le but, c'est de jouer, c'est pas de te faire des téléporteurs ou de te faire des plantes. Ah oui, mais si je nique le téléporteur, eh bien, ça veut dire qu'ils viendront plus nous faire chier aussi rapidement. Et on gagnera. C'est pas vrai. Parce que là, on arrive pratiquement à la fin du niveau, en plus. Ouais. Ouais, après, il reste le catapultage, ouais. Après. Bah ça serait bien de terminer maintenant, comme ça au moins on est sûr de gagner. Et après t'inquiète pas, en attaque on, bah bien on va sûr. Faire ça. Comme ça on passe de l'autre côté, c'est ça que tu voulais faire. Voilà. Y'a pas de problème. Moi ça me dérange pas, bien au contraire, même les gens je pense qu'ils vont vraiment apprécier de voir les deux côtés que de voir tout simplement un seul côté, quoi. Parce que la défense c'est bien, mais moi très sincèrement je préfère plus l'attaque à la défense. Ouais c'est beaucoup plus marrant parce que t'as beaucoup plus de stratégie à développer. Que là en fait c'est plus de la camp, on va dire, t'attends que les mecs qui viennent, quoi. À moins que tu vas les chercher, quoi. Je vais vite fait. Ah mais je te dis pas comment ils attaquent en ce moment, ils sont bien motivés, mais ils vont perdre, hein. Parce que j'ai l'impression qu'ils courent pas plus que ça, donc là t'es en train de bien les tenir. Oh moi je suis en train de défoncer le téléporteur. Oh lolo, oh je suis en train voilà, de faire souffler. Tu fais le téléporteur, voilà. Ça y est, tu l'as tué? Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont pas venir avant les... Le saboteur, il veut pas hein, que les autres y viennent. Non, je veux gagner. Moi quand je joue... Ah il veut pas le salaud. Hein. Donc je suis en train de me dire, mais oh, regarde, il a coincé le jeu, ça y est, il y a juste un mec que je vais éliminer. Et c'est fini. Donc j'ai le dernier à tuer. Non. Et voilà, on a gagné. Je l'ai pas tué. Oh pour Luigi. Oh. Ça va, t'es content maintenant petit malin, comme ça. Oui, je suis regarde content. Les points que ça t'a rapporté, t'as eu combien?
8600. Ouais, 8645, c'est ça. Oh, c'est une bouche. Ouais, bah tiens. Heureusement, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Surtout que je fais pas beaucoup de défense dans ce jeu, donc je suis plutôt satisfait. Ouais, c'est plutôt sympa. Mais non, vous allez voir l'autre côté, donc tu l'enchaînes tout de suite ou... Ouais, tout de suite. Oui, on continue. Y a pas de... Pas de pause, hein. Attends, putain, je vais voir mon ratio, mais il doit pas être terrible. Ouais, 0,94. En même temps, je fonçais comme un bourrin. Donc 0,94. Moi, je suis à 1,42, donc c'est pas terrible non plus. Eh. Hey. Bah. C'est bon. Non, mais je taquine. De toute façon, le but, non, c'est pas de jouer au ratio, les amis. De toute façon, on va pas se mentir, c'est le but, c'est de capturer un maximum d'objectifs. C'est comme on oui. Non, mais là, c'est. Au début. C'est... Les mecs, c'est bien, on peut camper, on peut vous faire une partie tout simplement. On est en retrait, derrière la carte, et là, c'est sûr et certain qu'on va faire des ratios de 10, de 15, de 20. Mais le problème, c'est que vous allez voir des mecs qui bougent pas plus que ça. Et là, vous avez pu voir, c'est qu'on cavale un peu partout, etc., etc. Je pense que c'est le plus intéressant à faire, en fait. Oui. En plus, il y a Missy qui est en face de nous, c'est une fille. Ah, c'est bien, bon, on pourra l'inviter dans nos prochaines vidéos alors. Oui. Non, mais pas toi, Coachy, c'est moi qui l'invite. Non. Si, c'est moi. De toute façon. Non, y a pas de toute façon. Toi, t'es un cochon. Faut éviter. Regarde, toi. Ça, c'est moi avec mon beau corps d'athlète, la ouais. Fontaine. Ouais, je comprends, ouais. Et ça, c'est tous les grecs que t'as bouffé hier soir. Je me bouffais juste quelques minutes. Arrête de mentir, ta crêpe d'un kilo, elle est là-dedans. Regarde, y a ta crêpe d'un kilo. Hé, hey, mais attends, regarde. Fais tomber le pied et il va dans la cuvette. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde le pied là-haut, tu vois ou pas? Tu prends ta okay. main, tu le baisses et après tu mets comment ça s'appelle le trône et c'est comme s'il est assis sur le trône comme ça. Mon dieu! Ah, je suis parti chercher loin exprès le truc. Hein. C'est ce que je vois. Bah arrête, t'adores alors... trop le trône à chaque fois. Et vous savez pas, à chaque fois que je parle avec Coachy sur. Comme vous expliquez sur Twitter, il est tout le temps aux toilettes, c'est pas vrai. Mais c'est un truc de dingue, hein. Il m'envoie des photos où il fait des têtes assez surprenantes. Eh, hey, salut. T'as des belles enquêtes. Là, par contre, je prends plutôt le plombier pour aller plus rapidement au point. Ouais, parce que t'as des fuites. Je sais, putain, regarde. Toi, tu me dis ça, je meurs, voilà. Je t'ai dit, t'as des fuites. Il faut un putain de merde. Je t'ai ri pour le plombier. Oh, putain, je suis mort derrière toi, mais c'est pas vrai. Oh, je voulais te porter la malchance et c'est moi qui l'ai eu en même temps. Oh, mais c'est pas vrai, mais quelle connerie qu'on fait. C'est qui fabrique les téléporteurs? C'est l'ingénieur, c'est toi en fait. C'est le plombier? Ouais, c'est le plombier, mais en fait, c'est le plombier, l'ingénieur, le mécano. Il a plusieurs noms en fait. Ok. Non, mais je vais le gros, de... c'est le petit gros que t'as. Putain, t'as renversé le pistolet, t'es un connard. C'est un salopard, toi. Je voulais vraiment construire le truc, comme ça on est tranquille, toi. Ouais, je te vois, ouais. Il y a même un mec avec la grosse tête. Mais attends, c'est où? Non, c'est de l'autre côté, par contre, pour toi. Il y a deux côtés, en fait. Il y a un côté gauche, un côté droit. Donc, en fait, c'est assez aléatoire. Oh, là, putain. Oh, putain, il m'a séché. Help me. S'il te plaît, aide-moi. Où es-tu? Non, je t'aide plus, parce que je suis plus là. Il y a un cactus qui me course. Je te jure, il y a un cactus qui me course. Voilà, j'ai fait le téléporteur. Bah, maintenant, vous m'aidez. C'est ça la famille. Il y a un cactus qui m'a coursé, je te jure, il m'a matraqué la gueule. Et en plus, il m'a fait des cochonneries, il m'a fait oh là là. Attends, c'est bon, je te vois. Donc, normalement, le téléporteur il est juste à côté de toi, sur ton côté droit. Attends, ouais, droit, ouais, c'est ça. Tu vois ou pas? Non, là, je suis en train de me faire. En fait, t'as un petit logo. Lancer du fluide sur la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Ah, t'es un petit malin. Attends, parce que j'ai un cactus qui est un peu trop cochon à mon goût là. Oh, il m'a tué. Bon, en tout cas, on est en train de gagner. Là, regardez comment ça va vite. Il y a 5 personnes, 6 personnes sur la zone, 7 personnes, 8. Non, mais regarde, il y a toute l'équipe ou quoi? Oh, ça va super vite. Je vais voir où est le prochain téléporteur. En fait, dans cette partie, je vais vraiment... Tu vas faire quoi? Tu vas plutôt montrer comment on peut jouer différemment que tu es, en fait. Ouais, par voilà, exemple, tu vas plutôt servir de... Comment s'expliquer? Plutôt aider l'équipe, en fait, à évoluer. Et ouais, voilà. Disons ça comme ça. Ah, c'est ça aussi, ce mode de jeu. Hein. Ouais, c'est comme on a expliqué, c'est que chaque personnage est bien sûr différent. Donc là, tu peux montrer tout simplement que le rôle n'est pas forcément que de faire des kills, quoi. Tout à fait. Que c'est ça qui va nous aider à bien progresser. Et à chaque fois, t'es un petit malin, parce que dès qu'il y a un mec qui va se téléporter, tu vas te faire 10, 15 balles, quoi. Je savais pas ça. Si, parce qu'à chaque fois que t'as un mec... Hey, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es perdu ou quoi? Regarde, il s'est téléporté. Mais quelle saleté, celui-là, il m'a abandonné. Ah bah oui. Et aussi, tu peux réparer les tourelles aussi. Hein. Il y en a 3 en fait. Ah. Viens voir. Ah bah ça y est, t'es déjà envolé. Mais t'inquiète pas, tu vas revenir, tu vas mourir dans 2 secondes. Je t'observe. Allez, petit stade, va mourir. Allez.
Regarde, le pistopode va te faire sauter dans quelques instants. Non, c'est pas encore toi. Eh, hey, mais toi, avec tes grosses fesses, t'arrives à échapper tout ça? Oui, je suis resté. Je vais combien de temps dedans? Ah, moi, j'ai un cactus de feu qui me brûle les fesses, là. J'ai pu m'aider, quand même. Enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Moi, je t'observe, c'est plus rigolo. Bon, pas très gentil. Non, pas vraiment. Je ne peux même pas sauter au-dessus d'une baie, quoi. Allez, vite, vite, vite. T'es pas encore mort, toi? J'arrive. Ah, ça y est, il repart la chasse. Non, mais le fou furieux s'en fout complètement maintenant de l'objectif. Il veut tuer, il veut tuer. Voilà. Attention sur le toit, il y a un cactus. En capturant une base, hein. Ouais, ouais, c'est ça l'objectif, hein. Attends. Je vais vite fait créer un téléporteur. Ça, c'est fait. Oh, comment je les vois pas des fois, les persos, moi? Je l'ai vu, le mec à gauche. Mais c'est pas grave, je vais essayer de construire avant qu'il arrive. C'est à l'autre côté. Ouais, faut que t'ailles tout au bout là où il y a la petite clé en fait. Tu la vois la clé? Là, je crée plein de petits trucs au cas où, toi. Ouais, voilà, ouais. Donc, tu l'as créé le téléporteur ou pas? Non, tu l'as pas créé. C'est bon? Oui. Donc là, t'as une clé, regarde, là, t'as un autre truc, viens voir derrière toi. Là, tu peux créer un truc ici. Non, non, là, c'est plutôt ranimer un zombie. Là, et tu peux le créer trois fois d'affilée. En fait, c'est trois fois la tourelle. Hein. T'as une petite tourelle au début, tu reviens, t'as une deuxième tourelle et une troisième. Regarde, reviens sur ta tourelle, regarde, fais rond. Mais là, tu vas te faire tuer par le machin. Tu vois, tu peux refaire. Tu l'upgrades trois fois. Voilà, et plus tu l'améliores, plus elle devient très très puissante. Et après, elle te lance des missiles et les zombies, plus ils s'approchent, plus ils vont morfler. Tu peux encore l'améliorer une troisième fois. Ça va être un peu plus long, mais ça va être plus efficace. Ouais. Ah oui, ouais. Plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Ouais, si tu veux. On te connaît, toi, là-dessus, hein. C'est vrai. C'est toi le connaisseur là-dedans. Et à propos de ça, je me suis dit, faut se mettre dans le... Merde, ok, je meurs. Faut se mettre dans le toboggan et tu perds des points sans être à découvert. Ouais, c'est mais attention, parce qu'il y a un petit cochon dans le truc, en fait. Il y a un petit cactus pervers qui s'est caché à l'intérieur. Bah attends que je le vois, le cactus pervers. Je te jure, il est là en train de faire des cochonneries avec le mordeur. C'est vraiment un jeu de cochon aussi, ça, je vous assure. Regarde, là, je suis ici, et boum, je suis en mode... Faut que tu fasses attention, hein. Ils sont vraiment partout. Ah, mais... Normalement, j'aurais dû le tuer, là. Lui, mais là, avec sa casquette. Je vais le défoncer. Ah, mais c'est vrai que je gagne beaucoup de points avec le téléporteur. Hein. Ouais, je te dis, hein. C'est pour ça qu'en fait, Steam, ce petit malin, ce qu'il aimait bien faire, c'est aller dans le téléporteur avec son truc, il courait comme un ouf. Bah oui, bah ouais, en même temps tu gagnes beaucoup et ça aide les gens, tu vois, c'est pas comme si tu faisais un truc... Ouais, inutilement, ouais. C'est ça l'avantage que tu as en fait sur cette zone après. Donc moi je capture la... Oh merde, je me suis pris... c'est trop bourrin, je sais pas, en fait, il y a tellement de trucs... Eh, tu vois pas, c'est un peu d'artifice la carte, hein. Oh là, je sais, je suis en plein dedans. Je suis dans mon toboggan, moi. En mode regarde, je vais t'apporter encore des points, regarde. Encore des points. Ok. Donc tu me dois 10 balles. Et voilà, on a récupéré la base. Donc maintenant, faut que tu recours dans l'autre téléporteur. On a soit un gauche, soit un droite. Je sais pas où il est. Non, non, bah, là, je suis déjà dessus. Je pars direct. Non, t'es bloqué là. Oh, le crevard. Non, non, mais je suis déjà dessus. Oh, putain, merde. Et tu t'es fait avoir. Tu vois, ça t'apprendra. Je me suis pris une mine. Mais y a un... Attends, j'arrive avec ta ranine. L'équivalent du tournesol en version... Ouais, en version, c'est plutôt le scientifique. Voilà. Parce qu'en fait, faut savoir que les mêmes équivalents, c'est qui lui? C'est toi? Non, je pensais qu'il y a un autre mec qui est mort, un ingénieur. Regarde-moi comment il s'est installé vite fait. Tiens, je te souhaite. Oh, moi, je suis un gars avec un balai à chiottes sur la tête, ça tombe bien. Il pense qu'ils ont totalement lui. Non. Oh, ce qui est bien aussi avec les personnages, pour ceux qui savent, on peut les personnaliser. Pas forcément à l'infini, mais on peut vraiment les personnaliser comme on a envie. Ah oui. Et aussi, Coty, il y a un truc que tu sais pas aussi, c'est-à-dire que. Merde. C'est que tu utilises pas forcément aussi, t'as un petit truc là, une petite tête qui vole en fait. Un drone. Ouais, mais pour ce mode de jeu, franchement, est-ce que c'est vraiment utile? Je te jure, c'est très efficace. C'est bien qu'on est en mode défense, oui, ça je veux bien. Mais non, toi, là, quand on attaque. Parce que tu débloques en fait, par exemple, t'as des petits compteurs qui défendent, et toi, ce que tu prends ton drone et tu les tues en fait avec ça. Mais là, tu vois, en faisant le gros bourrin, en attaquant un petit peu n'importe comment, oui, je réussis à bien conserver le truc. Oh lolo, je suis horrible là. Non, mais plutôt bien là, je trouve. On va réussir notre coup, comme ça sera la fin de la vidéo. On vous fera la prochaine fois d'autres modes de jeu, hein, élimination confirmée ou autre. Hein, on verra comment ça va se passer, y a pas de problème. De toute façon, c'est le genre de jeu où voilà, vous avez envie d'y jouer, vous faites plaisir. Ouais, de toute façon, vous allez voir, on a pas mal de choses à vous montrer qu'on n'a pas terminé. Comme on a expliqué, l'année 2013 a été tout simplement...
Ça, c'est le fail du live. Déjà, l'année 2014 n'est pas encore terminée, donc vous allez avoir pas mal de choses vraiment sympas. Et toi, merci de m'avoir cassé, j'allais rattraper le coup, mais tu m'as carrément tué. Salopard. Non, bah moi, j'entends un truc, j'entends une grosse connerie. Je me demande le coup. Pourquoi hein? Salopard, parce que j'étais en train de rectifier histoire de faire une petite carotte. Bon, vous savez, l'année 2013 a été très pauvre en jeu, 2014 ça va être meilleur. Ouais. Et regarde, tu m'as cassé dans mon truc. Tiens, pour tes grosses fesses, tu vas mourir dans pas longtemps. Regarde, regarde, je te défends même pas. Je te change à ton. S'il te plaît, aide-moi. Ça va pas? M'en fous, je l'ai eu. Tu l'as eu, quel salto. Quel salaud. Ah ah ah. Il y a le cactus qui va te violer. Putain, mais comment t'échappes tout le monde, toi, c'est horrible. Mais, hey, mais t'arrives plus à esquiver que moi, tellement que t'es. C'est pas bien de faire ça. Comme diraient les jeunes. Oh putain, la grosse gueule. Je suis swag. Ouais, c'est ça. Pour un petit moment. Que les jeunes disent. Et voilà, on a capturé. Bon allez, moi je prends un téléporteur dès maintenant. Ouais, comme ça tu vas te faire encore des points. En fait, je comprends maintenant pourquoi t'es premier de l'équipe. T'arrêtes pas de te faire des points avec ton téléporteur, enfoiré. On a eu chance à me faire tuer. En même temps, si toi, c'est, ça aide tout le monde. C'est pas comme si je faisais un truc personnel vraiment pour ma gueule. Bah ça aide tout le monde et c'est plutôt pas mal. C'est ça qui comme est bien. Quoi, vous pouvez jouer franchement défenseur, attaquant. Là, vous faites plutôt le mec qui supporte, voilà. C'est l'avantage, on va dire, d'avoir un mec, par exemple, qui fait pas que des kills et ce serait pas marrant, on va dire, que ça lui rapporte beaucoup plus de points. Tu l'as, plus le mec qui joue l'objectif, bah plus ça marche. T'as des vrais petits malins, comment ils se cachent aussi, hein. Je te jure, il y a des cactus un peu partout, hein. Fais attention au niveau des mines. En fait, j'ai appelé un... comment on appelle ça? Un cercueil. Comme ça, le cercueil, il va leur mettre des coups de tête, ouais. Et même toi, des fois, ils marchent contre les mines, du coup, ils font le truc. Ça, c'est pas mal, ça, ouais, ça dégage un petit peu la zone minée, quoi. Ouais. Eh, mais c'est pas vrai, t'es premier de l'équipe ou quoi, toi? Moi, non, pas encore. T'es presque premier avec 5 kills, quoi. Voilà, c'est ça, en fait, le truc. C'est ça qui est vraiment beau, c'est que j'ai pas fait beaucoup de kills, mais pourtant, c'est pas parce que j'ai pas fait de kills que. Ouais, que ça veut. Que tout simplement, tu vas être classé dernier, bien au contraire. Mais essaye de te faire aussi des plantes. Tu plantes le maximum de plantes et tu vois, ça va te rapporter pas mal de points aussi. Ouais, il a fait. Attention, parce que le cactus cochon là, il s'est installé. Wow. Ah, t'es là toi, c'est bon, je te vois. Ouais. Ça y est, il met ses petites roquettes et tout. Regarde comment il s'est installé. Non, c'est pas toi, c'est un autre mec qui t'a devancé. Il y en a un qui a pris ma classe. Oh putain, il m'a bouffé. Au secours. Aïe. Le mordeur, ouais, le mordeur, il va dégoûter. Non, même pas, il a recraché. Il a dit, avec le cochon. Il a dit, non, t'es pas bon. Toi, t'es pas comestible, toi. C'est un mordeur rebeu. Ah, d'accord, je comprends mieux. J'accepte pas. Oh, allez, salut. Oh putain, au secours. Ah, tu t'es fait avoir comme un bleu. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh putain, il crache du feu, lui, carrément. Ouais, c'est le cactus de feu, lui. Regarde comment tu cours. Mais toi, t'es une torpille, toi. Dès que t'apparais, tu cours direct. Je suis sûr, c'est toi, ça, devant. Non, moi, je suis derrière toi. Ah, ouais, y'a un mec qui cavalait comme un taré. Donc là, on va capturer la zone ou pas, à ton avis? Ouais, on capture. Voilà, ça c'est fait. Oh merde, le mordeur, il va me déchirer. Il va me tuer, le temps que je recharge. Faudrait qu'on aille dedans, au niveau de... Bah attends, on va faire comme tout à l'heure, on va faire une autre stratégie. On va essayer de se diriger tous les deux sur la zone. Par contre, c'est horrible. Par moment, je te jure. Attends, je te vois plus. Ouais, je suis là, derrière toi. Grosse fesse. Ah bah tiens, tu t'es tout de suite téléporté. Je te vois plus, mais je suis... Oh, c'est comme bon. Ça, t'es ici. Allez, on prend la zone. Vas-y, je te suis. Attends, le mordor, je le tue. Ah, tu l'as tué. Pas bien. Pas, attention, marche pas sur les trucs. Ça, tu l'as fait péter, ça, c'est bien, ça. Ah, il t'a mangé? Oh non. Ah, y a un mec qui s'est fait. Au fond, il y a un autre mec qui doit être pratiquement pareil que moi. En fait, j'étais tout seul quand je suis parti dans. Faut que tu fasses attention parce que t'as une plante, elle donne des patates. Je te le dis tout de suite. J'ai pas fait attention. Franchement, là, ce que je fais, c'est vraiment du rush pour récupérer la zone. Ouais, c'est ce que mais je fais aussi que, à chaque fois que j'y vais, je suis souvent seul et eux, ils sont un ou deux, du coup, quand je vais t'attendre. Attends, parce que moi, ils ont installé des plantes un peu bizarres. Attends, je suis en train de les contourner carrément à l'arrière. Comme ça, je les prends un peu à revers maintenant. Mais pourquoi je suis en flamme? Mais qu'est-ce qui se. Donc là, il y a personne. Donc là, je vais essayer de les avoir. Oh, attention, parce qu'il y a du maïs aussi, hein. Le maïs, c'est très chaud. Le truc qui vient du ciel. Donc voilà. Je me suis fait avaler par quoi? Oh, je l'ai même pas vu, le mec. Et des fois, les mordeurs, tu les vois pas. C'est des vrais sous-marins, en fait. Non, hein. C'est ça. En fait, vu les couleurs qu'ils ont, parfois, c'est... Allez, on prend la position, regarde.
Ça y est, je l'ai presque eu. Non, dommage. Ah merde, j'ai pas vu au niveau des secondes. On l'aura, on l'aura. Et voilà, nickel. C'est bon, voilà. Je suis mort. J'ai tué une personne. Oh putain, on dirait un lion. Ça pique, ça pique, ça pique. Oh, c'est pas vrai, je me suis fait rouler parce que je viens d'apparaître sur une zone où ils étaient 6 plantes. Et il y avait un mec, je lui ai laissé 4% de santé. 4%. Imagine-toi là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Imagine-toi ça. Ah, y a un cactus qui court. Rattrape-le, le cochon. Non, moi je suis en train de construire. Ah, t'es de l'autre côté, toi. Ah, non, mais t'as dû voir une autre personne. Si, je te vois, t'es sur le côté gauche de la carte. J'arrive sur toi. Pour ça, je prépare le. Attends, t'as un peu. T'as pas beaucoup de santé. Je vais pas t'esquiver, hein. C'est juste que je veux construire des. Ouais, t'inquiète pas, de toute façon, le but c'est de te faire marcher un petit peu ton argent, petit malin, va. Tu vois, je t'ai pas grillé. En même temps, même quand tu construis, tu gagnes des points, donc. Ouais. Et là, tu peux encore améliorer tes tourelles, hein, oublie pas. Hein. Attention, il y a un mec qui est en train de tirer sur ma tourelle, ce bâtard là. Sur mon téléporteur plutôt. Les gars, il y a une gousdaille qui arrive. Dégomme là aussi la gousdaille. Elle va te tuer ton téléporteur. Ouais, non, non, mais c'est ce qu'elle est en train de faire. C'est pas grave, ça me permettra de refaire un télé. Bien. Bon, ça me permet de faire un. Ouais, il a niqué mon téléporteur. Attends, je te ranime. Oh merde, y'a le bandito ce qui vient d'arriver, le cactus. Oh, attends, on va se le faire. C'est bon, je l'ai eu. Bon, je reconstruis un téléporteur. Bon, moi je me couvre. Oh, mais le mec il est en train de. Je de camper derrière là. T'as combien de secondes? Dis-moi, t'as combien de secondes? Je vais arriver plus vers la fin. J'ai 13 secondes donc ça va encore. C'est bon. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est si tu pouvais rester, si tu pouvais placer une. Je n'ai pas, on va dire, cette classe. J'ai que des. J'ai que des classes de corps à corps là cette fois-ci. Mais t'inquiète pas, dès qu'il y a un Mordor, il a aucune chance de t'avoir. Hein. Non, non, mais là maintenant, je vais capturer parce que. Oh putain, putain, attention aux mines. Regarde bien le sol parce qu'il y a des mines de. Oui, oui. Cactus. Non, hein. Il est venu faire ses petites crottes là. Il y a les gens qui nous entendent parler des petites crottes et tout. Ils vont rien comprendre, les pauvres. Non, non, si, si. Les crottes, c'est les mines que les cactus posent. Et merde. Et en plus, j'en ai vu une, je l'ai regardée. Elle m'a regardé, elle m'a fait péter. Oh, c'est pas vrai. Il y a des vraies conneries comme ça. Donc là, t'as mis le téléporteur, il y a un petit dollar de plus. Non, même pas, c'est un autre qui l'a mis. Ah, c'est dommage. Qui gagne. Oh, merde. Là, je pourrais pas t'aider. T'es resté 2%. C'est ça qui est horrible, hein, t'as vu. Hein. C'est une petite frustration, des fois, hein, sur le jeu. Après c'est le but, toi. C'est moi, c'est, je me dis, je suis fair play dans ce, à ce niveau-là. Par contre, ça serait bien de capturer un petit peu la zone. Oh merde, le temps. Oh mais c'est pas vrai, j'arrive devant le cactus et je recharge devant lui. Il se fout de ma gueule. Il se fout totalement de ma gueule, le mec. Hey, je te jure, des fois, j'ai vraiment pas de bol, moi. Attends, faut que je me colle à toi parce que depuis tout à l'heure, on est en train de s'éparpiller et peut-être qu'à deux, on pourra obtenir. Oh lolo, bah oui, il faut aller à deux maintenant. Attends, tu sais quoi, je vais prendre des cercueils, des conteneurs un peu plus chargés. J'aime pas faire attention qu'on va perdre là. Oui, c'est pour ça que je dis ça là, parce qu'il reste une minute et quelques, et vu le peu de. Vu le peu de points qu'on a pris. Oh là là, ils balancent leurs haricots partout aussi. Ils sont chiants aussi, les pistolets. Ouais, il y a trop d'haricots. C'est un petit peu en mode je fais n'importe quoi. Bon, pourvu que ça marche. Il y en a, ils se prennent pas la tête, c'est-à-dire dès qu'ils voient par exemple tu vas capturer la zone, vous avez 2-3, ils jettent leur haricot, ils sont sûrs de faire péter au moins un mec. Ah, moi je t'avoue clairement, c'est ce que je faisais quand j'étais en mode haricot. Ça sert à quoi de chercher de faire une stratégie alors que tu peux lancer un haricot, que ça pète tout le monde et puis tout le monde est content. Ouais, c'est ça le pire. Allez, ça y est, j'ai tué le Mordor. En une minute. J'ai eu un Mordor très très motivé pour me déguster, hein. Je te le dis pas. Hein. Ah, t'as toute la famille avec toi là-bas, t'as les cactus. Oh là là, et t'es mort. Hein. Recule derrière, tu vas te soigner. Recule légèrement derrière, tu pourras te soigner. Où ça? Bah, j'ai mis un téléporteur de soins en fait. Ouais, non, je l'ai pas vu. Oh merde, le cactus il me met des mines et tout. Allez, allez, là on se concentre. Vraiment, le but c'est d'essayer de capturer, que sinon on est vraiment dans la merde. C'est eux qui vont gagner beaucoup de points. Mais malheureusement, j'ai l'impression que notre équipe elle va pas aller plus loin que ça. Hein. Regarde, on est plus. J'ai l'impression qu'il y a deux bourrins à courir, voire trois. Et les autres en fait ne courent pas, ils sont plus en train de faire du tourisme. Ah, c'est dommage si on n'arrive pas à dépasser ça. Allez, là, on peut peut-être le faire. Attention, il y a du maïs. Ah, oui, non, non, c'est mort. Ouais, c'est ça, hein, c'est très limité, t'as vu. En fait, eux qui sont bien parce que, comme je te dis, voilà, ils prennent des pistes au poids, ils restent au-dessus des bâtiments, ils se mettent en mode tourelle. Et dès qu'on arrive,
ça ouais, canarde et... canarde, une canarde bien en fait. Après, ça met un petit peu de temps à vouloir attaquer le... la zone, tu vois. C'est si on mettait un tout petit peu à chaque fois. Ah, quoi que. Non, prolongation. Non, dès qu'il y en a un qui va disparaître, regarde, 1 et c'est fini. Dès qu'il y en a un qui quitte la zone, c'est terminé. 3, 2, 1 et c'est terminé. C'est dommage. Ouais. On n'est pas parti en plus, hein. Ah, si, quand même. Ça va. Légèrement. On a bien t'avais combien 10 560. C'était un peu plus gourmand que moi. Et j'ai touché un tout petit peu moins de pesos. Voilà. C'est tout de même pas mal pour moi. Je parle par rapport à mon nombre de kills. Ouais, c'est pas trop mal. Et puis bah voilà, on s'arrête là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like, ça nous ferait super plaisir. Et sinon, nous, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien, et puis c'est tout. Salut! Prenez soin de vous, et puis c'est tout. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.